cette fois-ci, il est vraiment l'heure de faire passer le mot dans le salon, comme quoi, eh bien, il faut venir s'installer en salle, parce qu'on est à moins de 4 minutes du premier cheval du dimanche. Et en voiture tout le monde, attention parce que bah, dès le matin ça va galoper comme tous les ans, comme ça a été le cas l'année dernière avec Mark McAuley, souvenez-vous qu'il l'avait emporté et qui d'ailleurs était parti en 1 et qui était parti d'urgence ensuite direction l'Irlande en avion pour aller voir sa femme qui était en train d'accoucher. Ça avait été la belle histoire de l'année 2018. Il va être là, Mark McAuley, au départ de cette épreuve et puis il va aussi jouer pour la passe de 2 parce qu'il en a gagné une hier et qu'ils vont être 27 à s'élancer ce matin dans 26 à s'élancer dans la première. Ce sont les couleurs France Bleu Gironde avec donc difficulté progressive. Vous savez ce barème où les obstacles rapportent des points. Le 1 qui rapporte 1 point s'il est bien franchi, le 2 2 points, le 3 3 points et ainsi de suite jusqu'au numéro 10. Le joker à gauche, alors si vous arrivez tranquillement dans la tribune, vous avez repéré, je pense, le vertical qui est le plus haut ce matin, le vertical blanc, France Bleu avec la palanque noire en dessous, bien, c'est le joker qui rapporte un maximum de points lorsqu'il est bien franchi, par contre, fait en perdre beaucoup, moins 20 points s'il tombe. Alors après, les cavaliers peuvent faire le choix de celui de droite, le France Bleu avec les barres blanches, bleues et noires, mais avec seulement les plus 10 points au lieu de 20. Voilà, j'espère que vous aurez compris, que vous avez passé un bon début de journée avec les cavaliers 5 étoiles qui vont donc aussi faire leur entrée en jeu pour la première fois du dimanche, se mettre dans le bain avant le Grand Prix Land Rover de cet après-midi annoncé à 14h avec une belle ribambelle encore de grands champions planétaires qui sont venus tout aussi nombreux en 2019 ici au Jumping International de Bordeaux. Good morning, ladies and gentlemen. It will begin in a few seconds. Ça va commencer. Alors prenez vraiment place parce que Denis, l'Irlandais, est prêt. Il est à l'entrée de piste et que nous allons pouvoir commencer avec la difficulté progressive. En vous souhaitant un bon dimanche à toutes et à tous, voici le prix France Bleu Gironde. Eh bien le bonjour ce matin à l'Irlande qui commence. Bien le bonjour à Pretty Little Liar, monture de Monsieur Dennis Lynch for Highland. To begin this morning, welcome Dennis. Have a good day in Bordeaux. Et on commence à la laiterie de Montaigu.
Je veux pas m'avancer parce que dans ce sport, rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir, mais à mon avis, Denis Lynch, il sera la remise des prix. Parce que là, il a fait un vrai beau tour, et en particulier, l'enchaînement du 8 au 9 était particulièrement bien rondement mené. Et l'année dernière, ça s'était gagné avec le 1, j'en parlais tout à l'heure, avec l'Irlande en plus, qui avait gagné, puisque Marc Pacollet avait réussi. On va bien voir. En attendant, voici la Mannschaft maintenant, qui, comme tous les ans, vient avec grand nombre de pilotes. Et M. Christian Kukuk, qui est le deuxième à s'élancer, Limoncello NT, pour attaquer. Oh oui, aucun problème, aucun problème. Bien au contraire. Tel matin, leur dire un grand bonjour. Et pour Denis, 48-04. 48-04 for the time of the Irish rider. Et on termine le parcours de Christian Kukuk, le cavalier allemand, avec Limoncello. Et bien cela fera un total en 83 secondes, 77 centièmes de 50 points. Avec un total, oui, de 50, une fois toutes les pénalités qui sont comptées par nos juges. Bon, ben la France, pour la première fois de la journée, et je pense que ce serait sympathique de lui dire bonjour. À Pénélope, le prévôt, et avec la grise Casual Z qui nous a offert une Marseillaise la semaine dernière à Offenburg en Allemagne avec une victoire dans une épreuve de ce niveau. Alors croisons les doigts, c'est parti. Il y a Denis Lynch à battre avec 48 secondes, 0,4. Et on termine Pénélope Le Prévôt avec Casual Z. On est en 63 secondes et 10 centièmes et un total de 50 points également pour la cavalière française après la faute sur le numéro 4 là-bas et puis une petite volte pour prendre le temps de remettre les choses en ordre. Vous avez le privilège d'accueillir maintenant le héros d'hier soir, le vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux 2019. Voici Daniel Desseur pour l'Allemagne avec
avec Kiana Van Het Hergehof. Je ne sais pas si vous avez revisionné, mais hier soir, le barrage de la Coupe du Monde, c'était du grand art. So, good morning, Daniel, and have a good day in Bordeaux. And you have to beat Dennis Lynch with the time of 48.04. Allez, c'est parti, 48.04. Allez, 46.18 avec Daniel Deusser. Qui fait mieux? Qui fait mieux que Dennis? Dennis Lynch, qui lui était donc avec ses 48.04, quasiment 2 secondes de mieux pour l'Allemagne, et avec encore une fois nos applaudissements jusqu'à la sortie. Yeah. Ooh, and welcome, Max. Max Kuder, avec des couleurs autrichiennes, et avec Electric Blue P. C'est un 8 ans que va nous présenter l'Autrichien. Ce matin dans le Prix France Bleu, difficulté progressive. C'est parti. On termine avec 56 points pour le cavalier autrichien Max Kuhner avec Electric Blue. La Belgique? La Belgique. La Belgique avec Jérôme. Jérôme Guéry, qui lui aussi sait faire lorsqu'il s'agit de tourner court, d'aller vite. Et en plus de ça, avec votre soutien. Allez Jérôme! Avec quelle star du Vimpont à sa monture? Et donc 46-18, il y a deux parcours avec le score maximum de 65 points pour l'instant.
Faute sur le 3 après le virage très serré, après l'Auxerre Montesquieu qui coûte la barre et prive de 3 points donc Jérôme Guéry du maximum. Faute ensuite aussi sur le France Info numéro 8 en 59 secondes et 60 centièmes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Juste rappel des règles du jeu. Ah, c'est ici. Ben visiblement, les règles du jeu, vous les avez comprises. Et vous savez bien à qui vous avez affaire, monsieur Philippe Rosier, qui est avec son impressionnant prestige calonne. Superbe. Superbe sans faute de Philippe Rosier avec Prestige Calonne, son angle arable, le cheval d'Olivier de Sutter. Il prend ici avec 55 secondes et 29 centièmes une troisième place. Alors maintenant, pourquoi ne pas avoir le même scénario qu'hier soir avec Daniel qui a gagné, avec Grégory qui était deuxième, et je pense qu'il aimerait bien inverser la tendance pour aujourd'hui, Grégory. Vous l'accueillez en piste, monsieur Grégory Watley, en ce dimanche. Avec El Dorado, Van Het Witschhof. C'est parti. Ouais, c'était bien parti, mais après ces deux fautes, plus rien à gagner. Grégory Watley décide d'en rester là et d'économiser son cheval. La saison est encore longue. Et c'est tout à son honneur, ainsi que de préserver quelques forces. Et à tout à l'heure dans le Grand Prix Land Rover. Et... Tiens, tiens, regardez qui arrive. Bonjour Olivier. Et Olivier Robert qui est entré en scène, messieurs, dames. Et Olivier Robert, dès le matin, accueilli à Bordeaux avec Dibalo pour attaquer en dixième. Et pour tenter de faire mieux que Daniel Deusser avec ses 46 secondes 18. Denis Lynch, l'ouvreur, avait directement installé un score parfait, 48-04, et deuxième pour le moment. Et c'est Philippe Rosier qui est 3 avec Prestige Calum.
Il va rester sage, Olivier. Va préférer le vertical de droite avec 55 secondes 66 et avec 46 pour le total, parce que ce matin, plus on a de points, plus on est dans le haut du classement. C'est difficulté progressive pour ceux qui viennent de nous rejoindre en salle. Et nous continuerons maintenant avec la Belgique, la nation forte de cette saison 2019 ici à Bordeaux, et accueillons l'une des finalistes d'hier soir. Voici Céline Schoenbroek de Hasefedo. Elle était hier la première à réaliser le parcours sans faute dans le Grand Prix Coupe du Monde. Et monte ici cette jument de 10 ans qui est une fille de Quickstar. Venise de l'air. Un petit salut au président de jury pour lui dire que voilà, après ces quelques mésaventures, eh bien, ça commençait mal déjà avec le refus sur l'Auxerre de Montesquieu. Et Céline Schoenbroek de Azevedo préfère en rester là, mais refranchit néanmoins, voilà, un petit vertical pour terminer son parcours. Alors, le cavalier qui est en piste maintenant, il y a une petite histoire sympathique à raconter. Vas-y, raconte-la, Alexandre. Bah oui, ça fait au moins la troisième fois que je la raconte, mais elle était tellement bien, cette histoire de l'année dernière, où Marc, il a gagné en partant le premier, a pris l'avion, elle n'avait même pas pu être avec nous à la remise des prix, pour ceux qui étaient là. Et puis, bah, parce que son fils était en train de naître en Irlande, et... mais il va quand même remettre son titre en jeu aujourd'hui. Alors, accueillez-le, l'Irlandais Marc McAuley, en scène. Avec Jacinta van Krikenhof, qui a déjà gagné hier l'épreuve de vitesse. Et termine tranquillement. Termine tranquillement avec sa monture fille de Winning Mood. Repartiront tous les deux, quoi qu'il arrive, avec le prix Orsimo en poche dans cette saison 2019 du Jumping de Bordeaux. Où voici maintenant la Suisse avec Nadia Pietersteiner avec Cash. Morning, Nadia, and good luck. Germany in the lead with Daniel again. Donc, Daniel Dessert, Denis Lynch, Philippe Rosier, toujours pour le top 3.
D'accord. Avec Nadia Petersteiner qui pourrait faire dérouler un petit peu plus tranquillement que les copains, mais nous offrir une, un magnifique parcours sans faute. Et avec 65 secondes, 53 s'installe quatrième du prix France Bleu. Nous, la bagarre a été lancée dès le début avec Danis, avec Daniel qui a répondu, avec maintenant le français Guillaume Foutrier qui fait son entrée sur le ring et à qui nous disons bonjour, voici Fairness Hero Z. C'est une jument, elle a 10 ans, et c'est une fille du formidable petit flipper d'elle. Prenez-vous les talons des haras nationaux avec Laurent Goffinet. Trente-cinq pour Guillaume avec Furness Hero, troisième place pour le français sur notre podium provisoire donc. Et peut-être à tout à l'heure, à moins que ben, ça bouge, mais ça pourrait bien bouger parce qu'il y a plein de grands noms qui vont encore s'enchaîner, à commencer par celui-ci. Voici le maître allemand Ludger Berbaum avec Castello. Qui préfère tranquillement ce matin retravailler son sol de Grand Prix Castello sur ses difficultés progressives et qui nous offre le plaisir de le voir un petit peu plus longtemps que les copains. 68 secondes 39 pour le temps, 68.39 for the time. And see you this afternoon, Ludger, in the Grand Prix. Et maintenant la France. Oui, content de le revoir en scène après mes aventures du Grand Prix Coupe du Monde d'hier. Voici Aldric Chironet, à qui on souhaite bonne chance.
Et vous voyez 63 à l'écran parce que ben, moins 2, puisque l'auxerre Montesquieu est tombé. Donc 63 avec 58 secondes et 42 centièmes. Et enchaînons avec la France toujours et avec un couple qui avait fait une super entrée dans le jumping de Bordeaux puisqu'ils étaient troisième tous les deux du prix Congrès et Exposition de Bordeaux vendredi. Voici Félicie Bertrand avec Chacon. Très beau Grand Prix Coupe du Monde hier. Hop, hop, hop! Bravo Félicie Bertrand, deuxième place au classement provisoire, un tonnerre d'applaudissements jusqu'à la sortie pour la cavalière française. Oh, ce parcours! Elle est partie, pied au plancher, elle a rien lâché. Un petit peu de chance, c'est vrai, sur l'Auxerre France Info, et il en faut. Et c'est une deuxième place entre Daniel Desseur et Denis Lynch. Mais c'est donc le maître toujours avec ses 46-18. Et un autre maître, le maître britannique maintenant, qui rentre en scène, Michael Whittaker avec For Fun. Marche pas ce week-end. So sorry for you, Michael. C'est dingue, hein. C'est pas son week-end. Ça ne veut pas, ça ne passe pas. Pas, ça passe pas. Bon, quoique, il est encore capable de gagner le Grand Prix Land Rover de cet après-midi. Oui. Allez, bonne chance pour la suite à Michael Whittaker. L'Italie arrive maintenant, Alexandre. La Squadra Italia avec le cavalier qui nous fait le plaisir de venir à Bordeaux pour la toute première fois. Alors, ça vaut peut-être le double d'applaudissements pour dire bonjour, Michael Cristofoletti. Sig Depalia, c'est la monture grise que nous accueillons, issue de l'étalon Zurich. Au 19e, nous sommes sur les 26 à partir. Toujours l'Allemand Daniel Deusser, Félicie Bertrand, 2, Denis Lynch. 3 dans ce prix France Info. L'arrivée de Michael Cristofoletti avec Sig Debala, 51 secondes 80 centièmes. Petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une épreuve à difficulté progressive. Chaque obstacle rapporte le nombre de points de son numéro. L'objectif est d'avoir le plus de points possible. Et si la barre est renversée, eh bien, on ne gagne pas le nombre de points.
Et à la fin, le joker. Soit on prend le numéro 10 et on a 10 points, soit on prend celui de gauche et on a plus 20 points ou moins 20 points si on le fait tomber. Allez, les chances françaises à nouveau dans ce prix France Bleu Gironde. Voici Absolute du Mio, 9 ans, avec Édouard Lévy pour la France. C'est un fils de My Lord Carthago. Bondissant, Absolute du Mio, regardez. Avec Édouard. Édouard, le dernier, c'est là qui coûte cher, hein, le joker France Info France Bleu avec moins 20 points et avec une arrivée de 25 points et les 49 secondes 79. Il a joué le jeu, allons-y jusqu'à la sortie de piste. Et donc toujours Daniel, Félicie, Denis dans notre top 3, tandis que la veste rouge de l'un des plus grands ambassadeurs suisses vient de faire son entrée en scène en ce dimanche. Pius Schwitzer avec Chakilo en 21. Oui, le joli parcours de Pius Schwitzer. points avec ce joker qui est bien franchi. On est en 48 secondes, 65 centièmes. C'est une quatrième place au classement provisoire. Daniel Desseur, le vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde d'hier, est bien parti pour une autre remise des prix. Et voici 40. Est prêt à partir maintenant avec Philou, Carlo. Oui, oui, allez-y, il faut les encourager parce que il n'y a pas eu beaucoup de Marseillaises quand même depuis le début du week-end. Voici Simon de Lestre. Avec Philou, Carlo, SimQuest.
Eh, c'était bien déroulé, hein. C'était bien parti. Vous avez eu le virage du 3, les 5 foulées, presque tranquille derrière pour aller chercher le 4. Bref, il était dans le timing. Et puis ce faux Auxerre, France Info, qui tombe, qui enlève des points. 57 pour terminer, 49 secondes, 62. Et attention, parce que ça n'est pas fini. Hein. Peter DeVos, Julien Epaillard, Kevin Stott, Stéphanie Holmen pour terminer le prix et tenter d'aller chercher les 46 secondes 18 de Daniel Deusser. Avec l'aide du public de Bordeaux et avec Peter DeVos, maintenant Julie Sivan Holtich pour la Belgique. Sixième place pour Peter DeVos avec Ulysse Van Orti. Allez, trois chevaux encore passés, dont deux français. On y va. Julien, Julien. Allez, allez-y avec Julien. Il est cap, Julien. Il est cap, Safari. Julien et Payard. Hier, c'était lancé à la poursuite de l'Irlande. Était passé 2 mm de l'emporter, toute petite faute de rien du tout, mais prend sa revanche ce matin, il y a 46-18. Le chrono était bon, hein. Le chrono était super bon, 47-38. Mais France Info en a décidé autrement. Allez, dernier couple français. On y va, on y croit, on les encourage. Voici Kevin Stott. Allez, Kevin. Edessaz Xum van de Whitmoor. L'une des nouvelles montures de la saison qui a rejoint le français avant-dernier à partir.
Et l'arrivée de Kevin Staut. Le maximum 65 points, mais 59 secondes 38 centièmes, c'est une huitième place. Voici le dernier couple à passer. La Suède est en piste et une cavalière que nous accueillons avec les encouragements du public de Bordeaux. Stéphanie Holmen. Avec Broken Heart. 9 ans pour ce Hongre. Alors, ce sera la Suède ou l'Allemagne. On termine le parcours de Stéphanie Holmen avec 58 points, 62 secondes et 9 centièmes. Eh bien, chers amis, décidément, l'homme en forme du week-end après sa victoire dans le Grand Prix Coupe du Monde hier soir, il remporte aussi ce prix France Info, France Bleu, Gironde. Un tonnerre d'applaudissements pour Daniel Desseur. On sera très heureux de féliciter à la deuxième place, Félicie Bertrand pour la France. Et à la troisième place, l'Irlandais Dennis Lynch complétera cette remise des prix. Quatrième, Kjo Schwitzer. Cinquième, Guillaume Foutrier. Sixième, Peter DeVos. Septième, Philippe Rosier. Et la huitième place pour Kevin Staut. La remise des prix dans quelques tout petits instants. Et on enchaîne ensuite avec les finales des épreuves Antares, championnat Antares des partenaires. Thank you.
Bon. Ça vous a plu? Encore une leçon allemande? Encore Daniel qui a parlé. Et Daniel qui va être félicité ce matin par France Bleu, par Monsieur Gabriel Valdisseri, directeur France Bleu Gironde, qui va rejoindre la piste dans quelques instants, accompagné d'Éric Dulon, président de Congrès et Exposition de Bordeaux, pour fêter notre deuxième victoire de l'Allemand, notre deuxième place française de Félicie et notre troisième place irlandaise de Dennis Lynch ce matin dans la difficulté progressive. Alors, faites-nous signe quand tout est prêt côté paddock, parce qu'ici, toutes les équipes de la maison familiale de Blanquefort sont autour des chandeliers France Bleu pour accueillir notre trio du dimanche matin avec cette superbe épreuve qui ouvrait la journée. Bienvenue, monsieur Valdisseri, sur la piste bordelaise. Sachez que vous allez avoir l'occasion de féliciter un grand, grand, grand champion, le leader de la Coupe du Monde, l'homme de Bordeaux 2019 pour l'instant. Eh bien, maestro, tout ça en musique, voici les tout meilleurs de ce dimanche. Avec un public de Bordeaux en pleine forme dès le matin, de ce que je vois, et bien une deuxième fois ce week-end pour Daniel Deusser. Avec la fille de Toulon, Kiana Van Het Herderhof, qui gagne ce matin, qui est la plus rapide et qui va faire que nous allons nous lever en tribune, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de manière à pouvoir entendre retentir une fois de plus l'hymne national allemand.
Daniel Deusser avec Kiana dans le Prix France Bleu avec donc Monsieur Gabriel Valdisseri, directeur France Bleu Gironde, Monsieur Éric Dulon qui à nouveau ce matin échange quelques mots avec le pilote des écuries Stefek Stables qui s'inscrit dans ce palmarès France Bleu. Elle est toujours sympa, hein, cette épreuve du dimanche matin. Elle ouvre la journée tous les ans à la même heure. Et cette année, c'est Daniel avec l'Allemagne qui a le dernier mot. Et pourquoi pas tenter maintenant le Grand Prix Land Rover tant qu'il y est. Eh bien, ce sera cet après-midi à 14h. Congratulations again, Daniel, and see you this afternoon. Et célébrons la Française avec son étalon Tchako Rouge. Félicie Bertrand à Bordeaux. Quel week-end pour tous les deux. Déjà troisième du prix Congrès Exposition de Bordeaux dans la première journée. L'étalon des Arad Clarbeck de Tchako Rouge, fils du numéro 1 mondial des étalons Tchako Blue. Et Félicie qui court son premier Bordeaux et qui aura été parfaite pour l'instant, que nous retrouverons aussi tout à l'heure. Un grand bravo Félicie et un grand bravo à l'Irlandais Dennis Lynch, troisième. Pretty Little Liar, sa monture, partait en 1 tout à l'heure à 9h30, nous offrait d'entrée de jeu un parcours parfait avec un super chrono de 48-04 qui fait monter l'Irlandais sur le premier podium du dimanche avec les cadeaux. Il y a une belle montre qui a été remportée par Daniel, plus plein de belles choses, toujours des bouteilles de vin ici dans le Bordelais, donc un grand bravo à tous les trois pour ce premier scénario de la journée. Merci Monsieur Valdisseri, merci Monsieur Éric Dulon et la petite photo avec les chandeliers France Bleu Gironde. Et un grand, grand, grand merci pour ce fidèle partenariat au Jumping International. Et maintenant, la cadence du dimanche peut attaquer pour pouvoir y aller tous au galop et en musique derrière Daniel Deusser qui gagne ce matin. Daniel Deusser. Félicie Bertrand. Et Monsieur Dennis Lynch. Vous avez quelques minutes pour aller prendre un petit café, faire quelques achats encore dans le salon. 11h20, le premier cheval des finales individuelles partenaires Antares. Chez Longines, il est 10h28, donc oui, soyez là pour 10h10, disons, au plus tard, que nous puissions discuter ensemble, évoquer tout ce qu'il va se passer avant l'après-midi Land Rover. Donc à tout à l'heure, entr'acte, et on se retrouve en direct de Bordeaux pour attaquer avec les finales individuelles Antares.